Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête. Descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Nous demandons à l'Assemblée de se mettre debout en chantant numéro 30 français à la gloire de Dieu. Gloire à toi, à l'Éternel. La main de vous-même qui la caille ou campé, nous chantons sans ça à la gloire de Dieu. Dans YouTube, dans Internet, vous allez avec autour de nous faire ça.
Prions le Seigneur. Adorable Père, Papa, nous en Jésus-Christ, nous bénissons, nous exaltons, nous rendons gloire, l'honneur, l'ouange pour mériter, qu'on digne de gloire, Seigneur, digne de l'ouange. Merci pour ce que vous faites pour nous et pour que vous soyez avec nous, que vous mettez nous. Vous méritez gloire, vous méritez l'ouange, Seigneur. Si vous êtes là, c'est écoutez nous tailler. Nous, Papa, sous seul, bâtir, que nous capables de respirer. Et si nous respirons, Seigneur, Papa, nous venons, nous, de reconnaissance, qu'on est sur nous respirer. Nous venons dans le pio, matin, pour nous chanter, pour nous gloire, pour nous chanter gloire, gloire à l'éternel. Ou méritez pour nous chanter, pour nous, Seigneur, ou méritez pour nous battre gloire. Ou tout pour nous, Seigneur, après, ou nous prenons, Seigneur. Le nap gardé, ça qui a passé au monde, l'éternel des amis. Nous, par exemple, l'éternel des amis, pour nous-mêmes, nous étions à respirer, l'éternel des amis, principal. Dans l'église bâtie d'expression en Seigneur de Bridgeport, pour ça, on fait pour nous mériter, pour nous chanter gloire au même Seigneur. Papa, mais nous qui venons, c'est capable d'adorer au Seigneur. Nous faisons adorer en esprit et en vérité. Tirez toute veine d'adoration, toute veine de l'orange, toute veine de. Et tout ça work pas bon et trio pour nous c'est papa fait nous ouvrir porte que nous à ou même seul l'éternel des armées pour qu'on rentre dans que nous c'est bien serviteur qui va diriger et bien serviteur qui va prêcher Seigneur de prier complètement afin que pour parole qui bonne mettre en pratique et nous même c'est cap coûter Seigneur papa si et mando inculquer nous pour parole là entrer dans que nous parce que parole là c'est celle papa qui était pour nous pas gain l'autre bagaille encore sinon que ou même Seigneur bénis tout le monde travers TV, c'est YouTube, c'est hier papa, travers radio, cap côté nous, n'importe côté où est Jésus. Matin, ça qui malade, ça qui problème yo, et mando papa résoudre pour nous. Fais-nous agir foi nous dans nous-mêmes, Seigneur. Prends Dieu sur service ça pour nous complètement, Seigneur. Merci d'avance, Père. Béni l'autre qui a venu à tes paroles, nous-mêmes qui déjà béni, béni musicien yo, béni Seigneur. Tout le monde qui fait travail, la vie nous dans même papa. Nous ne pouvons pas prendre un thème qui nous dit, mais pour nous dans le nom de Jésus qui règne, au siècle des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis point à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, qu'à toi seul l'appartienne. Nous aurons la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Pendant que nous debout, et la caille ou tous ou pas debout, ou mettre debout à la gloire de Dieu, que n'a pas lu alternativement les psaumes 29 à la gloire de Dieu. Les psaumes 29 à la gloire de Dieu. Camper la caille ou pour faire ça à la gloire de Dieu. Dans le salon caille ou, c'est qui sentit au matin, hein? Et ou même à travers YouTube, à travers Internet, ou à travers Kotoye, fait de même. N'a pas lu alternativement psaume 29 alternativement à la gloire de Dieu. Ben, nous avons une minute pour nous chercher parce que nous ne connaissons pas la caillou, côté, pour nous pas pour nous lire ensemble, et pas ensemble, alternativement, ou bien pour les versets par là, à la gloire de Dieu. Je vais commencer pour à la gloire de Dieu. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Ensemble, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit gloire. L'Éternel était sur le trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à
Merci bien, asseyez-vous. Nous disons merci pour amour, pour grâce envers nous, dès que nous capons dans le temps plus matin, même là où même, ou pas là, ou la caille où. Considérez que c'est dans le temps pour y aller, la cabondie, et pas faire des ordres, et pas marcher, parce que laisse ça pour faire manger, pour faire tout bail. Si tu attends des paroles, bon Dieu, avec respect. Parce que si bon Dieu a respect pour nous, il va quitter nous une partie dans un moment où on avarice. Il n'est pas plus bon ou plus bon, il n'est pas plus dit ou plus dit, il n'est pas plus fidèle ou plus fidèle. C'est grâce que bon Dieu fait nous. On nous respecte. Qu'on y a avec nous, le révérend docteur Franz Saint-Pierre dans les annonces. Il est maudit bienvenu à la gloire de Dieu et suivi de la deuxième lecture. À la gloire de Dieu. Quatre dimanches, nous étions en maison d'absent et le Seigneur nous donne l'opportunité d'être ici en ce jour en bonne et due forme. C'est une grâce de sa part et nous le remercions. Et nous le remercions infiniment. Et nous sommes contents de vous voir. Et déjà, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et nous saluons nos frères et sœurs qui sont à la maison, en train de nous écouter en 7 minutes. Et nous saluons tous ceux qui, comme toujours, sont là par voie YouTube, qui nous assistent par voie Internet. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège là où vous êtes. Et nous sommes contents d'être de retour dans l'Assemblée. Et pour participer à ce service en ce premier dimanche du 10e mois de l'année. L'année touche à sa fin. Et nous approchons de 2021. Notre Dieu est grand, il nous garde. Et nous allons en vous dire les annonces. Cet après-midi, comme vous le savez très bien, nous n'aurons aucune activité. Nous vous demandons de prier afin que Dieu arrive à changer le cours de l'histoire en envoyant la paix dans ce monde en doloré. Et alors, nous nous retrouverons encore ici pour l'adorer en esprit et en vérité, complètement, comme nous avions l'habitude de faire. Et nous voulons faire savoir. Et à tous nos frères et sœurs que mardi soir, nous allons reprendre nos activités d'études bibliques. Nous serons ici pour étudier avec vous. N'est-ce que vous serez à la maison pour suivre par voie YouTube le mardi 5 octobre en prochain. Nous espérons que vous allez continuer à étudier avec nous la leçon que Jésus a enseignée et à ses apôtres sur la prière dans Matthieu chapitre 6, les versets 15 jusqu'au verset 13. Faites tous vos efforts afin d'y participer activement. Notez bien, la bénédiction est à nous, la gloire à Dieu. Soyons fervents, chers bien-aimés, en étudiant la parole de Dieu. Mercredi 8, à 8h30, en service de fraternité, nous on vous y attendrons en vue de nous encourager les uns les autres par la prière. Par voie téléphonique aussi. Jeudi matin, 6h, en série de prières, nous comptons sur votre présence en vue d'élever ensemble nos voix vers celui qui nous a dit demandez et vous recevrez, frappez et l'on ouvrira. Soyons donc fidèles afin que Dieu puisse nous répondre avec fidélité, car lui-même, il est fidèle. Et jeudi soir, nous en zone, en étude pour les jeunes, les juniors et les enfants, avec la sœur Muriel Saint-Pierre. J'encourage les parents à presser leurs enfants à participer à ces études-là, parce que nous vivons un temps qui nous demande de réfléchir comme parents
Parce que si nous qui sommes parents, nous n'agissons pas sur la voie de Dieu, comment nos enfants vont-ils agir selon Dieu s'ils ne trouvent pas à de vrais professeurs, de vrais maîtres à la maison? Et les premiers maîtres sont les parents. Et de ce fait, vous qui êtes parents, vous devez éduquer vos enfants chrétiennement dans ce monde en voie de dissolution. Le monde est vraiment en danger. Et pour survivre dans ce monde en danger, nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu, nous-mêmes, pour pouvoir éduquer nos enfants chrétiennement. Et de ce fait, je demande à l'Assemblée de prendre ça à cœur, à tous ceux qui nous écoutent maintenant à la maison, de prendre ça à cœur. Si vos enfants sont dans leur chambre maintenant, ou bien là, devant la télévision, l'appareil de télévision, il est bon de les encourager et à participer, à assister à ce service. Parce que s'ils ne pratiquent pas à la maison, comment vont-ils retourner ici? Quand Dieu ouvre les portes des églises complètement, et comment vont-ils adorer le Seigneur s'ils n'adorent pas en 7 minutes? S'ils n'adorent pas maintenant, comment vont-ils adorer quand l'église en sera rouverte complètement? Ce sera un grand danger, mes frères et sœurs. Nous sommes en train de marcher vers un danger spirituel. Et nous avons besoin de fixer ce danger et avant qu'il soit trop tard. Et Dieu vous demande de prendre ça à cœur parce que vous êtes à la maison maintenant. Et peut-être quand vous êtes à la maison, votre fils ou votre fille ou vos enfants, vous ne savez même pas où ils sont maintenant. Est-ce que c'est l'heure du service? Vous savez que c'est l'heure du service. Conséquemment, j'encourage tous les parents de bien vouloir veiller sur leurs enfants, de prendre à cœur ce que nous disons pour le bien-être de vos enfants et pour le bien-être des autres enfants qui n'ont pas de parents chrétiens. Parce que quand nous avons des petits chrétiens, nous les envoyons à l'école, ils sont à l'école, leur comportement, mes frères et sœurs, vont aider les autres enfants qui ne connaissent pas Dieu. Et prenons ça à cœur et encouragez vos enfants à participer aux études bibliques chaque jeudi soir à 8h30 et à grandir dans la foi pour leur bien-être et pour votre bien-être comme parents et le bien-être de tous ceux qui les entourent chaque jour à l'école, leurs petits camarades, ils apprendront d'eux. Et j'espère que vous allez faire cela. Et nous voulons faire savoir à tout le monde que les funérailles de la sœur Marie Saint-Pierre, décédée le mercredi 9 septembre à 2h15 p.m. à Northside, à Greenwich Medical Center, Lawrenceville, Georgia, à 30046, elles auront lieu le samedi 10 octobre à 10h du matin à l'église baptiste Jean 16 de Stamford. Notez bien, les premiers venus seront les premiers reçus. Pourquoi? C'est vu les circonstances de ce moment pandémique, les places seront limitées. Et conséquemment, si vous êtes arrivé trop tard, à prier Dieu afin qu'il y ait de la place au rez-de-chaussée, il y aura une télévision pour ceux qui sont en retard. Mais encore, le nombre est limité. Alors, conséquemment, si vous décidez à y aller, faites cela. Nous n'avons pas de veiller parce que nous, d'après ce que nous avions appris par le salon en mortier responsable, il semble que, vu la durée du temps qu'elle a passé sans, l'enterrement devait être fait de très tôt. Bon, mais c'est plus qu'un mois, ou bien un mois, je crois. Maintenant, conséquemment, on dit que peut-être il y aura des changements au visage, peut-être dans le corps. C'est ce qu'on dit, je ne sais pas. Mais on va essayer de l'arranger pour voir si vendredi soir, nous, la famille, nous allons voir si c'est possible. Et puis samedi matin, on aura le cercueil ouvert, si c'est possible. Sinon, le service débutera à 10h et peut-être nous allons faire un petit changement si c'est possible
Mais s'il n'y a pas de veillée, vous n'allez pas voir le corps. Au lieu de 9h à 10h, c'est pour cela. Nous allons essayer de commencer le service à 9h du matin, si c'est possible. Mais si ça ne change pas, c'est 10h du matin, 10 octobre. Et s'il y a un changement, je vous ferai savoir s'il y aura un changement au cours de la semaine, non, ou bien mardi soir, ou bien mercredi soir, ou jeudi soir, ou soir, ou vendredi soir. Je vous ferai savoir ce qui va se passer. Et je prends plaisir, au nom de Jésus, à remercier tous nos frères et sœurs qui nous ont aidés, et nous supportés, et nous ont appelés par voie téléphonique, et qui nous a envoyé tant de textes que nous devons en répondre dans tant de messages par voie Internet, dans email. Bon, je remercie le Seigneur. Je dis merci à Dieu parce qu'il m'a donné le pouvoir de répondre à peut-être à 90%. Il y a de ce que je n'ai pas encore répondu, mais je le ferai. Parce que vous savez, le temps est vraiment occupé. Il y a tant à faire. Nous ne pouvons rien négliger, nous devons tout faire. C'est pour cela, si vous ne voyez pas que je ne vous ai pas encore répondu, ne soyez pas en colère contre moi. Ne dites pas que je ne fais pas cas à vos mots de condoléance. Oui, je fais cas de ces mots-là. Ils m'ont béni. Ils m'ont aidé beaucoup. Conséquemment, ils m'ont aidé beaucoup. Conséquemment, je vais vous répondre quand même. Mais soyez patient. Soyez patient. Bon, nous croyons avoir tout dit et nous avons de prier pour nos malades. Sœur Rosemarie Marseille, Sœur Anne-Marie Casséi, Sœur Jeannette Gabon, Sœur Anne-Julien et Frère Altinès Dorvilmé. Sans oublier la famille Saint-Pierre qui a perdu un membre très cher le mercredi 9 septembre écoulé. Et prier pour nos enfants qui vont à l'école dans un temps très difficile. Prier afin que Dieu soit leur protecteur. Le monde entier a besoin de nos prières. Afin que Dieu envoie un vaccin capable de protéger ses habitants du dépérissement. Parce que le monde est en train d'avoir tant d'urgence à connaître la mort. Nous devons prier pour ce monde vraiment en difficulté. Prier aussi pour les États-Unis et notre chère patrie Haïti. Je devrais aussi ajouter prier pour le président du pays parce qu'il est malade maintenant. Il a atteint de ce virus. Nous savons que Dieu est le Dieu guérisseur, que Dieu lui soit en aide. Nous croyons avoir tout dit. Et avant de souhaiter bonne adoration, j'aimerais vous présenter les bancs de mariage de Sœur Francisca et Frère Emmanuel Guerrier et les deux jeunes de l'Église. Il y a promesse de mariage entre Emmanuel Guerrier, fils de Willy Guerrier. Il est là, Frère Willy. Frère Willy Guerrier, debout s'il vous plaît. Et Sœur Florence Guerrier. Sœur Florence. OK, ce sont là les parents un jeune homme qu'on appelle Emmanuel Guerrier. Notre frère bien-aimé, nous l'aimons tant. Ce sont là les parents de Mano. Ils se tiennent debout. Restez debout, s'il vous plaît. Et Francisca Quétan, fille de Mérilis et Yolande Quétan, s'il vous plaît. OK. Alors, ce sont les parents de ces deux jeunes. Tous les deux sont majeurs, demeurant et domiciliant à Bridgeport, Connecticut. Si l'un de vous connaît quelque juste empêchement à ce qu'il ne soit uni dans les doux liens du mariage, il est prié de le déclarer en ce moment ou qu'à l'avenir, il s'entête à jamais. Nous n'avons pas toute l'Église, il y a des ceux qui sont à la maison. Nous devons faire cette annonce quand même, cette communication. S'il y a des membres de l'Église qui ont quelque chose, que vous le dites. Je sais que vous n'avez rien à dire, de toute manière. Bon. Il est bien déclaré ou à l'avenir, il s'entête à jamais. Bon, il n'y a personne. C'est aujourd'hui, dimanche 4 octobre 2020,
la première publication. La cérémonie aura lieu à l'église baptiste Jean 16 de Bridgeport. Au niveau 155 à Schofield Avenue, Bridgeport, Connecticut, le jeudi 15 octobre 2020 à 3h PM. 3h précises. 3h précises. Immédiatement après la cérémonie nuptiale, la réception aura lieu à Cascade Fine, Catherine, dans Fort Erie, Sherman Avenue, Hendon, Connecticut, 06514. Écoutez bien ceci pour tous ceux qui avaient reçu une carte d'invitation. Que le Seigneur les bénisse abondamment ainsi que leurs parents. Merci. Mettez-vous. Bonne adoration à tous nos frères ici et sœurs ici présents et à tous ceux qui sont par voie internet. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Alors, nous allons faire la deuxième lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans Juges chapitre 6. Versets 11 à 16. Bon, j'aimerais que vous lisiez avec moi, mes frères et sœurs, ce passage. Et si je n'ai pas fini avec le message, vous allez penser à ce que vous aviez lu dans Juges, chapitre 6. Ensemble à partir du verset 11. Vous y êtes? Ok. Ensemble. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térémin d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je en Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. On a pour le chanter numéro 193 français. Oh, I'm sorry. Matin, nous pouvons chanter Souffle sur moi. Pendant que nous chantons chanson,
on Monday, bon Dieu, pour really souffler sur nous, pour comfort us. Just so you know, I had a friend who this year lost her aunt, lost her dad, and just this week lost her sister. And so si nous pensez qu'on y a nous gain problème, gain monde qui gain plus problème passé nous. So on Monday, bon Dieu, pour souffler sur nous, pour nous battre nos forces. Amen. Lifting up those who have lost a loved one, Father God. We
blood of Jesus Christ. Cover the director with the blood of Jesus Christ. Cover the technician. Cover the musician. Praise and worship. Everybody who is here. Everybody at home, Father God. Cover them with the blood of Jesus Christ. We love you, Lord. We glorify your name. We magnify your name. In the name of Jesus Christ, we pray. Numéro 193 à la gloire de Dieu pour prière sacerdotale à la gloire de Dieu. Roman, c'est nous de la prière. Hey!
Prions le Seigneur. Notre Seigneur. Déjà par la puissance du Saint-Esprit, nous te demandons au Dieu de déverser tes grâces sur eux tous, chers Seigneurs. De leur donner au Dieu la santé robuste, tant du point de vue spirituel que physique, chers Seigneurs. Afin que le corps entier demeure en bon embonpoint, tandis que ce virus fait ravage dans ce monde. Mille merci au Dieu pour le cadeau que tu nous fais. Le cadeau d'être en tes enfants. Seigneur, nombre de personnes, mon Dieu, sont en train de mourir. Certains, mon Dieu, te connaissent, mais d'autres ne te connaissent pas, cher Seigneur. Leur vie, cher Seigneur, est passée sans toi. Conséquemment, mon Dieu, nous te demandons, par la puissance de cet esprit, de veiller sur tes enfants. Qui, mon Dieu, te serve ici à l'église. Donne-leur de continuer à marcher dans la foi, de continuer à vivre cet amour chrétien, cher Seigneur, que tu nous as donné de vivre, que tu nous as démontré, cher Seigneur, par ton Fils en Jésus-Christ, qui était venu dans ce monde. Tandis qu'il était dans le monde, mais il était en harmonie avec toi et l'Esprit, cher Seigneur. La Trinité demeure ferme et de ce fait, cher Seigneur, nous te demandons au Dieu de nous donner, mon Dieu, de fixer les regards sur cette Trinité afin de savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre en paix les uns avec les autres. Surtout dans ce moment, cher Seigneur, où nous avons besoin, mon Dieu, Papa, de nous entraider les uns les autres, de vivre en paix les uns avec les autres, cher Seigneur, de marcher dans la sincérité. Et de ce fait, nous t'appelons cette minute de bénir, envie de bénir tes enfants ici présents. Mon Dieu, grand comme petit, cher Seigneur, ils ont besoin de toi. En un moment où Dieu, où tout le monde se pose la question, où va ce monde? Où va, cher Seigneur, cette maladie? Qu'est-ce qui va arriver, cher Seigneur, au lieu d'apporter un peu de consolation pour ce monde? Et même le CDC, cher Seigneur, nous fait comprendre que cette maladie va prendre une autre ampleur, cher Seigneur, pendant cette saison, cher Seigneur. Et oh Dieu, à qui irons-nous? Nous n'avons personne à qui aller, nous n'avons personne à qui prier. C'est toi seul que nous avons, cher Seigneur. Nous voici en ta présence cette minute. Nous te remercions infiniment pour l'église baptiste et jouons de Richport. Cette église que tu as placée dans ce coin de terre en vue de militer pour toi. Oui, cher Seigneur, c'est ton église. N'est-ce pas ton église, cher Seigneur? Bon nombre d'entre nous connaîtraient déjà la mort. Mais jusqu'à présent, nous avons prié bénisère. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru. Merci, mon Dieu, pour ce secours. Est-ce que tu es en train de nous secourir? Papa, n'oublie pas nos frères et sœurs, mon Dieu, qui sont à la maison aussi. Nous sommes ici dans le temple, en petit nombre, mais la majeure partie de l'église est à la maison, cher Seigneur. Et de ce fait, que tu ailles les visiter toi-même, cher Seigneur, apporte un baume de consolation dans leur cœur. S'il y a des divergences, mon Dieu, un esprit de dispute, mon Dieu, dans certaines maisons, que toi-même tu ailles apporter un baume de paix dans ces maisons-là, cher Seigneur. S'il y a des tendances qui ne sont pas chrétiennes, cher Seigneur, que tu leur donnes de comprendre, de vivre avant de bons témoignages à la maison, avec les enfants arrivant à voir ce témoignage.
et à l'apprécier et à prendre décision à vivre comme leurs parents, en bon Dieu, comme des vrais chrétiens. Seigneur, nous comptons sur toi. Est-ce que nous prions pour nos frères et sœurs ici présents, comment ne pas te remettre dans le monde entier? Le monde a besoin de toi. Les églises qui viennent pour toi dans ce monde ont besoin de toi. Les églises ont besoin de force, de puissance, d'autorité pour dominer, bon Dieu, sur ce monde. Et conséquemment, cher Seigneur, rien ne se fait sans toi. Et ces églises ont besoin de toi, oh Dieu. Que tu descends en puissance dans ce monde et que tu apportes la paix, mon Dieu, que l'homme ne veut pas donner. Si les gouvernements vraiment pouvaient donner la paix, cher Seigneur, le monde aurait déjà cette paix. Mais les gouvernements, mon Dieu, partisans et ne peuvent pas faire. Mais toi, quand tu dis, tu fais ce que tu dis, et conséquemment, nous t'appelons en cette minute afin que tu descendes et délivres ce monde pour nous. Spécialement les États-Unis d'Amérique, où nous vivons, tu vois, le taux de mort, cher Seigneur, chaque jour, mon Dieu, continue à s'augmenter. Et mon Dieu, nous étions à 206 000, et nous en passons, nous passons à 207 déjà. Mais toi-même, tu le sais, cher Seigneur. Conséquemment, et arrête ce flot de mort pour nous, cher Seigneur, dans ce monde, dans ce pays, Jésus Nazareth. Mon Dieu, même le président est atteint de ce virus. Il a besoin de toi, cher Seigneur. Donne-lui de comprendre que nous ne pouvons pas jouer avec les choses sérieuses. Nous ne pouvons pas jouer avec la vie, avec la mort, parce que la mort ne plaisante pas, cher Seigneur. La maladie n'est pas un jeu. Et bien, surtout, cher Seigneur, cette maladie en pandémie, mon Dieu, il n'y a pas de plaisanterie là-dedans. Et de ce fait, cher Seigneur, donne à tout un chacun d'apprendre à comprendre que nous ne sommes pas exempts. Cela peut nous arriver aussi. Et conséquemment, donne de prendre à cœur de veiller sur nous-mêmes, de veiller sur nos frères et sœurs, afin que cette maladie n'arrive pas à nous toucher. Papa, là, nous comptons sur toi. Bénis-nous. Bénis-nous. Bénis-nous, cher Seigneur. Mon Dieu, cette église, bénis pour nous les autres églises qui viennent pour toi. Bénis pour nous, cher Seigneur, le monde entier. Et n'oublie pas notre cher patrie Haïti. Haïti qui nous guide dans la misère. Mon Dieu, dans les difficultés de toutes sortes. Haïti a besoin de toi. Mais mille merci parce que tu es là vraiment. Nous sentons que tu es en Haïti, cher Seigneur. Parce que cette maladie, mon Dieu, papa, ne fait pas. Mon Dieu, papa, tout. Mon Dieu, papa, c'est ce qu'il fait dans les autres pays. Tu protèges Haïti. Mille merci, cher Seigneur, pour cette protection. Et donne au peuple haïtien de comprendre leur délivrance. Mon Dieu, vient de toi. Et que ce peuple doit t'adorer en esprit et en vérité. Que ce peuple arrive à compter sur toi, cher Seigneur. C'est donc tous ceux dont ils ont besoin. Et de vivre comme de vrais frères, mon Dieu, des compatriotes qui se comprennent, qui s'entendent pour vivre ensemble, mon Dieu. Ce n'est pas chose facile, mais avec toi, ils le feront de ce fait. Visite Haïti pour nous, mon Dieu, et aide ce pays à sortir de ces espaces-là. Mon Dieu, nous comptons sur toi. Abba, le monde entier est en train de nos jeunes, nos enfants, nos bébés, cher Seigneur, les différents pasteurs, les missionnaires, mon Dieu, dans le monde entier. Reste avec nous, oh Dieu. Bénis le reste du service. Bénis les différentes églises. Mon Dieu, qui m'élite pour toi en ce moment. Veille sur elle, cher Seigneur, ton église. Et veille sur l'église en baptiste de Joseph de Bridgeport. Et donne-nous de vivre, mon Dieu, comme citoyen céleste. Est-ce que nous sommes encore sur la terre? Reste avec nous, Dieu, assiste-nous. Bénis-nous. Grâce que nous te demandons. Au nom et par la main de Jésus, notre divin sauveur. Lui qui vit et règne. Au siècle des siècles. Amen. Je connais Jean-Guy l'infaillible. À 27 français. Veille sur moi, je sais pas, j'ai mon
bon Dieu, merci pour tout ça qu'il fait, pour ça qu'il a commencé à faire, pour ça qu'il a continué à faire. Nous disons bon Dieu, merci pour ça. Et qu'on a continué le service, nous, on a recueilli les 10 000 offrandes. On a demandé pour nous faire ça pour nous à la gloire de Dieu et vous même qui la caillou. Bon disposition côté que Wabba bon Dieu offrande à la gloire de Dieu. Prépare offrande nous afin que nous soyons capables de faire ça à la gloire de Dieu. Quand le vol de la tempête.
ce temple témoigne ta grandeur et ta fidélité envers nous, Seigneur. Le fait que nous sommes debout, nous sommes encore vivants par ta grâce. Seigneur, dans la semaine écoulée, nous étions éparpillés partout ailleurs. Seigneur, nous sommes venus en ce temple avec notre offrande de gratitude, offrande de nos cœurs, offrande de nos chants et de nos biens matériels, Seigneur. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de bénir chaque personne qui, Seigneur, qui avait contribué, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, de les bénir davantage. Ainsi, qu'ils ont l'abondance de venir, Seigneur, participer, de contribuer pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, en ce moment, nous allons entendre ta parole. Nous te prions, Seigneur, de oindre ton serviteur. Nous te demandons, Seigneur, de bénir, Seigneur, et donne, Seigneur, à notre serviteur la parole capable de toucher, Seigneur, les cœurs les plus affligés, les cœurs endoléés, Seigneur, parole d'encouragement, Seigneur. Demandons, Seigneur, d'utiliser ton serviteur puissamment. Ainsi, Seigneur, donne-nous la parole capable de toucher nos cœurs, Seigneur. Seigneur, prends le contrôle de tout, Seigneur. Bénis ta parole, Seigneur, comme une semence. C'est la prière que nous t'adressons. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Asseyez-vous. On est à la parole, attendez, parole bon Dieu, qu'après le parler. La caille ou kotoye, pas couché, juste chita, pour nous attendre, parole bon Dieu. Parce que temps nous besoin de parole là, c'est qu'on est. Le salut, c'est qu'on est. Après la mort, pas de salut. Tout le monde qui t'a, ou de dit, après tout ça que nous besoin, c'est que tu as pensé. À tout à fond bagaille en mois ça ou bien l'autre mois et ou pas même assisté en deux mois dans ADR et ou même si ou bien chaque toujours attendre des paroles bon Dieu en nous rete en nous bar en nous prend la cœur parce que c'est moment de salut nous ça avec nous le révérend docteur Juan Saint-Pierre dans le message de la parole de Dieu. Thank you, Simon. La paix de la Dieu soit avec vous tous. La paix bon Dieu avec nous. Ah, quand vous entendez nous, vous dites encore moi. La paix bon Dieu avec nous. Amen. Ok, that's better. Parce que le message là, c'est sur exactement ça que vous avez fait première fois. C'est le monde qui compte ça, c'est le monde qui répond comme ça. Right? Ok, bon. Je dis à nous, comme le moins. Ok, moi, je suis moins. Presque moins 20. Ou bien moins 20, ou bien moins 4. Nous avons fini à l'heure. Bon, un message là, c'est dans Juges, chapitre 6, verset 11 à 16, là, que nous te faire lecture pour nous. C'est un passage extrêmement important. Côté que et nous, un peuple qui a souffert d'oppression, c'est le peuple d'Israël, en bas même Madianitio. Et puis, ouais, bon Dieu, pour parler avec Gédéon, lui-même qui était caché. Et peuple là t'a pourri à cause d'un groupe de Madianites. Dans chapitre 6, là, je viens verset 1er, pour comprendre le message là, qui dit les enfants d'Israël furent ceux qui déplaient à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, peuple là en bas oppression, pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Ok. Point. Pour échapper à Madian,
les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Verset 3. Quand Israël avait semé, attendez ça, les ont planté, les ont semé, ça arrivait. Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Son peuple a monté pour la détruire, production pays après au fin planté. Pendant 7 ans, on peut en bas oppression. Donc, on va penser, est-ce que pas cap, on peut penser que le peuple ça l'a découragé. L'a découragé en bas oppression, ça. So, na, nous apprenons que, du pays, jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre. Tout le monde comprend ça veut dire, ne laissait ni vivre. Est-ce que nous comprenons ça veut dire? Il n'y a pas quitté vivre. Elle dit que, puisque pas de plantation, pas de vétation, pas de manger pour le peuple à manger, pas de vivre. Ok, et puis il dit comme ça que ni brebis, elle dit que brebis a, moun sa yo, c'est ça yote qu'on fait élever bête pour vendre, c'est comme ça yote qu'on mange, on rend, pas de brebis, on rend, pas de bœuf, ni âne, c'est âne yo, yo utilisé pour porter marchandise pour le vendre. Ça veut dire que Madianite yo a détruit tout bagay, fait ma soeur. Non, Israël te gen Madianite qui t'a détruit, moi nous connais, nous gen coronavirus t'a détruit. Conséquemment, il est bon pour nous comprendre, nous avons vécu une situation qui est pour nous bataille, qui est pour nous lutter, parce que nous sommes capables de lutter, mais si nous avons lutté seul, nous avons perdu la bataille là quand même. Il dit comme ça qu'ils arrivèrent comme une multitude de sauterelles. C'est-à-dire, ils descendent, quand les sauterelles volent en l'air, puis ils prennent un jardin pour manger, ils descendent, et puis. Descendre, font tant en sous en végétation, et puis voler, et bien rien n'y a encore. Mais ce n'est pas sauterelle, c'est Madianite eux-mêmes qui descendent, puis ravager tout ça pour la gagner. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Ils viennent dans le pays, pour faire qui ça? Si n'a plus avec moi, si n'a plus avec moi. Puis ils viennent dans le pays, pour yon ravager. Ça, qu'on a vu, ça vini pour le faire? Israël fut très malheureux. Israël fut très malheureux. Pas possible n'a plus avec. Non, qui va s'ennuyer là? Ok. So, ça calé. Madian et les enfants d'Israël criaient à cause de Madian. Yon malheureux. Et puisque yon malheureux à cause de Madian, qui seul espoir yon? Yo doit crier à qui est-ce? Yo tous les enfants à Israël, elle a crié à l'Éternel. OK, lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël, il leur dit ainsi par l'Éternel. Tenez ça, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter. Eh, bon Dieu pas ingrat. Bon Dieu pas ingrat. Mais bon Dieu voulait l'aile bénie, c'est pour reconnaître c'est l'île bénie, l'aile fine bénie, pas pour penser au même qui était béni tête. Parce qu'on pas qu'à béni tête pour compte. Et toute bénédiction c'est bon Dieu baroul. Et si nous avons compris ça, d'un je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous en opprimaient. C'est ça me t'ai fait pour vous. Je les ai chassés devant vous. Allez me faire nation, bon pays, on nous prend pays, on en met. Et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, tenez ça, tout le monde qui est là, qui ont chagrin, on prend dans le cœur, tout le monde là, qui ont découragement dans le cœur, l'Éternel a dit, à Israël, c'est l'île Abdou, je vous ai dit, je suis qui ça? M'attendez, je suis l'Éternel. Et puis, l'ajoutez de elle, votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté, qui ça? Ma voix. Israël criait, Israël, bon Dieu parlait, et puis Israël tendait, pas vrai? Amen, je dis à bon Dieu parler, tu vois ce qu'il entendait? Et nous, un exemple, l'on pas attendu ça le fait.
OK? So, conséquemment, le message aujourd'hui, c'est un esprit vaincu cède facilement au découragement. C'est-à-dire que l'on fait faillite ou toujours des tendances à devenir très découragé ou tomber dans le découragement. Il faut nous veiller ça. For the young people, a vanquished mind easily fails to discouragement. Easily you fail to discouragement, especially when you go to school, you're studying. You can't understand the course. You can't pass the test. You know, you have problem, you know. So now you are very discouraged. Next thing you know, you fall. You are very discouraged. Next thing you know, you quit school. I can study, I quit. So we're going to see that. Let's go to understand what I'm saying. Mot découragement, mes frères et sœurs, signifie état d'une personne qui est découragée, perdant de courage, de l'énergie. Ou bien, si vous avez dit tout, vous avez dit abattement. On est tombé dans l'abattement, on est tombé dans l'accablement, tout ça c'est sujet. On est tombé dans le cafard, on est tombé dans la démoralisation, on est déprimé, on va dire tel déprimé, etc. Après, mes frères et sœurs, les vins gagnent un danger, les ont esprit, les ont esprit ou faillit ou fait faillite dans l'esprit. L'ont vaincu, a dit l'ont fait faillite, a dit que a ennemi a les vaincu dans l'esprit. Son bagage pour veiller en pile pour quitter sa rivo. Il y a du danger dans un esprit vaincu dans la vie chrétienne. Ou là dans la vie chrétienne. Vous venez un esprit vaincu, après son bagage qui est triste pour vous, parce que chrétien, même les gens problèmes, même les gens tracas, même les gens misère, ou pas doué désespérer à tel point pour qu'on ait tout le bagage fini, parce que les gens qui connaît tout le bagage fini, les gens ont un problème, c'est les gens qui n'ont pas un bon Dieu. Est-ce que nous n'avons pas un bon Dieu, mes frères et sœurs? Si nous avons un bon Dieu, découragement va faire nous, après à tomber quand nous pas doué aller, et puis découragement va mener nous à faire mauvais bagaille. Car, mes frères et sœurs, leur décourager comme un chrétien, ça capable de plonger dans un découragement total, l'esprit, leur font faillite. On faillit parmi nous en gros bagaille. Nous parlons de ça pour être découragé à tel point. Nous avons parlé là, il y a des gens qui sont tellement découragés, ils vont même venir vivre dans l'église matin. You did not want to come to church this morning because you feel so discouraged. Something happened and it makes you feel that everything is done for you. I'm telling you today, nothing is done yet because you just start. Tenez ça, avec bon Dieu, nous, chaque jour levé, son jour nouvel, son jour nouveau que lié, et ce jour vient avec toute bénédiction là-dedans. Comment on a quoi ça aujourd'hui? So, conséquemment, mes frères et sœurs, bon, est-ce que découragement son péché? Le découragement, mes frères et sœurs, d'ailleurs, n'est guère un péché. Libre au péché. Mais il faut autant de sambral d'où la kounia. Il n'est pas empêché, mais cela peut conduire à un certain nombre de péchés. Découragement qu'a pour se faire, il n'y a pas quel bagaille qu'on ne doit pas faire. Et nous-mêmes, nous comprenons, nous vivons ça. Et après, il y a quelqu'un qui a fait tellement de pas bon. Après, il y a quelqu'un qui a tellement découragé. Il y a son jeune fille. Après, il y a bagaille à Dieu pour lui dans la vie. Et nous voyons ça. Nous ne parlons pas dans quel pays, dans quel côté. Nous voyons ça plusieurs pays dans le monde. Ils ont découragé. Et puis, ça a une passion dans la vie. Après, un découragement mené à même 20 corps. Il y a même qui allait, même qui touille tête. Vous comprenez? Qu'on a le vin au péché. Découragement, capable de vin au péché. Et ça fait que, chrétien doit veiller soit dit dans la bouche ou pas le ça. Parce que Job, Satan, c'est fort découragé. Et l'autre découragé, il va le faire au péché. Est-ce que tout le monde est samedi là? Pour décourager, il va bien tendance pour péché. So, conséquemment, il faut veiller ça. Ou qu'on fait d'innombrables en péché parce que vous êtes découragé. Et puis, mais ça crie pour le décourager. Mais ce n'est pas un monde là comme ça matin. Nous venons de l'église, mais. Nous ne sommes pas soucier nous de l'église, de ce qui a passé dans l'église. Ça va intéresser nous en chant qui a chanté. Les chants qui chanté, ça n'a pas une valeur pour nous. On va dans mesure. Les a prié, on va même battre bouche ou même. On va même les adorer, on va même secouer corps même. Parce que on plonge dans le découragement. Mes frères et sœurs, ça c'est un bagage pour nous veiller. Le prédicateur a prêché. Nous sommes en assemblée, message la nuit nous. Je dis non nuit, parce que nous avons besoin de la caille nous. Bon, l'eau la caille, sauf pour régler la caille là. Sinon, l'église a découragement calo. Et l'eau arrive la caille même.
So, conséquemment, il faut prendre Sam Abdoula, je dis, très sérieux, hein, parce que les gens chantent chant, mes frères et sœurs, on prend chant sans goût. Ouais, vrai. Longtemps, on chante, on adore, les bâtons passent, et puis chant vient sans goût pour nous. Ils ont chanté, ouais, je chante, c'est chant, on fait qu'on est content même. Parce que chagrin hein, prend l'esprit, on aller contrôler l'esprit. C'est bon, monde là, qui sont découragés comme ça. Vous sentez découragé comme ça, les bons bouts et prenons une prière avant d'aller pour remonter le courant parce que le pape bon pour nous. Mes frères et sœurs, attendez ça. Danger gain, lorsqu'on défaite et pour ou décourager, lorsqu'on défaite et pour décourager, et puis découragement, parce que c'est juste ça. Bon Dieu, gèle sur nous la 24 sur 24, mais Satan gèle sur nous tout la 24 sur 24 devine font glisser. Et là, qu'on pas content, Satan qu'on est. Il ouais. Ce qu'on a le droit de chercher qui Jean pour le jouer de l'IA. Et pour le cas déranger. Mais voyez, c'est ça, nous pensons qu'on est, je dis, défaite, si défaite ça, ou bien, petit problème ça arrive, et puis il mène au découragement, et puis qu'on y a là, il vient quand on attend, il mène au défaitisme. Ça, le défaitisme. Attendez ça, qui est extrêmement important pour nous. Défaitisme, c'est l'attitude de ceux qui ne croient pas à la victoire. On vient en défaite. Bon, on dit, bon, moi, je fais défaite là déjà. On n'a pas marché pour moi. Bon, et vous tombez dans le découragement et vous venez entrer dans ça, il est défaitisme là. L'entrer dans le défaitisme là, ça le fait pour vous. Il ne faut pas qu'à espérer à la victoire. N'importe qui, Jean-Bagay a venu, ouais, ben, la pape marché pour vous. Et puis, il préconisait abandon de la lutte. C'est-à-dire que qu'on a, bon, ça me besoin à faire tout effort ça pour faire. Bon, on vague sous ça, moi quitter ça. On prend, non, ça. Non, l'eau fait ça, au moins si on va y venir, ou pas battre encore. On vient dire, bon, pas besoin de lutter encore, besoin de battre encore, et on perd du bataille là déjà. Est-ce que c'est vrai, l'eau font défaite, c'est perdu ou perdu, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on perd, même qui chrétien avant, les défaites nous viennent dans la vie nous, est-ce que nous perdons du bataille là peut-être ça? Parce que, avant même d'être allé plus loin, il faut qu'on ait que, moi-même avec moi-même, nous pas qu'à perdre. Parce que ça fait moi-même avec moi-même, on t'y défaite dans la vie. Paul Réléo, les légères afflictions du moment présent. Et si affliction ça, pas de mener dans le découragement, parce que nous avons espérance de la vie éternelle. Parce que l'église attendait ça, m'a dit là, je dis, ça est important, il y a un moment ça, mes frères et sœurs. So, là, si ça le fait, c'est comme si on a une bataille et on crie des fêtes. So, on a dit que, bon, on perd la bataille là déjà, on n'a pas marché. Donc, ça, c'est un manque de confiance. En soi, elle dit dans propre tête ou va une confiance dans tête ou pas quoi dans tête ou pas quoi dans rien. Ce qu'on y a là, Satan dit bon, ça c'est pour moi lié et puis le prêtre veut jouer y avoir. Est-ce qu'on t'a aimé Satan? Faut dévier totalement de bon Dieu. Comme là t'as aimé Satan dévier de bon Dieu totalement. Ah mais mon vieil, ça me parle d'aujourd'hui. So, et manque de confiance et puis le prêtre non, on prend pour pas faire effort et puis l'autre pas faire effort et puis la vie ou vient en échec. Mais là, est-ce qu'on t'a aimé la vie ou un échec? Parce que c'est une défaite. Sous pas guettant campé sous pied pour dire au nom de Jésus, ça va priver dans la vie mon corps. C'est gado pour une deuxième défaite. C'est gado pour une troisième défaite. Et puis dans la troisième défaite, là, Satan met le pied sous. C'est-à-dire que les défaites qui sont venues, c'est pour nous camper jump. Camper jump. Mais frère et soeur, attendez, ça m'a dit aujourd'hui. Les parents ont sous font faillite. Tout le monde fait faillite. Quel de grands serviteurs de Dieu fait faillite. Attendez. Moïse qui vont côté. Dans le nom chapitre 11. Grand serviteur de Dieu. Dans le nom chapitre 11. Sous quel verset on prend, gardez le bien vite avant. Dans le nom chapitre 11. En disant. Ça vient de passer lui. Moi, peut-être que nous avons là, c'est une charge qui est trop lourde pour nous, qui fait nous décourager. Donc, nous là, ou deux, nous là, trois, nous là, ou bien là, qui est une charge qui est trop lourde, qui fait nous décourager. On garde, on n'a pas besoin de quitter ça arriver, parce que, ou un monde qui a aidé dans le domaine ça, dans Nombre en chapitre 11, Nombre en chapitre 11. Dans mon joigni, pour nous faire lecture ça avec moi, verset 10, pour nous arriver à verset 15. Tout le monde joigni? Bon, on lit bon. Nombre, chapitre 11, verset 10 à 15. Attendez ça. Moïse entendit le peuple qui pleurait. Ça m'a hystérie pour le peuple là.
leader qui a mené le peuple. Et puis ça arrive. Ça a dit, chacun dans sa famille, chacun dans sa famille. C'est ça qu'on a vu aujourd'hui. Famille a crié. Et à l'entrée de sa tente, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement parce que le peuple a crié. Nous avons fait gros délivrance pour eux. Fin de bain pour manger. Tu fais dans le boulanger dans le ciel là. Le peuple a mauvais. Et puis il a crié. Bon Dieu fâché. Verset 1. Et puis dans verset 11. Bon Dieu fâché fortement. Et dans verset 11. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel. Pourquoi? Attendez ça. Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple. Moïse a plaint. À qui est-ce que tu parles là? À mon Dieu. Pour ça, on mette gauche à ça sur moi, on mette gros peuple ça à Sodome. Verset 12. Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce que c'est moi qui fais peuple là? Moïse dit, mon Dieu, est-ce que c'est moi qui fais peuple là? Et puis, est-ce moi qui l'ai enfanté? C'est moi qui enfanté peuple là. À mon Dieu, Moïse a parlé. Et puis, il dit, que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant. Elle dit que c'est pour me porter visite là. J'en ai un là qui a mis ça sous bras là. Et puis, c'est petit, on vient faire aucun bel sous bras. Et puis, on nourrit. Si elle me dit un nourricier, elle pour pas le manger. Parce que son problème manger qui est là. Et ma voyez, je m'a dit ça. Il y a un monde qui a crié parce que Fujidéo n'a pas de manger là dans le monde. Il y a un monde qui a crié parce que le travail est perdu. Il y a un monde qui a crié. Non, tant ça, il y a un monde qui est bon, il y a un mot pour vous. Mais soit tant de monde qui a pas découragé. Si vous prenez ça très sérieux, vous relevez dans le pied de mon Dieu, bon Dieu attendez-vous. Parce que bon Dieu est disposé pour répondre tout le monde qui a servi tout le monde. Parce que vous n'avez pas à comprendre que bon Dieu parle béni ou soit vous avez vu n'importe qui gens. Parce que corps, c'est le temple Saint-Esprit. Non, mais il y a un problème, il y a un corps comme le temple Saint-Esprit. Est-ce que tout le monde entend ça me dit là? Le monde qui est là, est-ce que vous entendez? Très important. Ok, qui connaît nous dérivé avec? Moïse, dans verset 13, là qu'on y a. Il dit comme ça que, comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. C'est-à-dire que, on n'a pas le bon peuple ça pour m'appeler juste dans le pays ça. Verset 13. Où prendrai-je de la viande? Pour donner à tout ce peuple. Moïse demandait, côté m'pral jouer une viande pour m'baille tout le peuple ça. Et changer que c'était environ plus de 2 millions de monde. Côté m'pral jouer une viande pour m'baille tout le peuple ça. Mes amis, lorsqu'on lit, il y a un problème ça. Faites-le tout le parti, oui. Lorsqu'on ne peut même dire leader dans l'église, lorsqu'on papa qui a conscience, qui remet la famille, les bagages ont marché mal dans la famille. Ou malade, oui, ma frère. Par contre, si tout papa comme ça, moi-même, depuis, ils n'ont pas marché là, moi-même, malade, moi. Ils sont chargés que je viens, et je dois résoudre le problème, non, et puis je ne peux pas résoudre. Vous savez que là, comme ça, c'est l'âme crier dans le bon Dieu plus, parce que je connais ce seul bon Dieu qu'a fait, et l'âme crier, ma bonne, secret ça. L'âme crier, bon Dieu répond, oui, ma frère. Bon Dieu fait bagage, oui, ma frère. C'est là que moi-même, Moïse, qu'on y a là, relé, l'obligé a dit, mon Dieu, la vérité. Il dit, en verset 13, où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple, car il pleure auprès de qui est-ce? Bon, auprès de qui est-ce, peuple, là, tu as crié, mes frères et sœurs? Avec nous, on va parler. Devant la mer rouge, là, les peuples là-bas, après l'amour. Moïse m'a dit, pour qui ça crie ça? Et puis il dirait en silence, nous voyons un miracle, bon Dieu, pour le faire. Égyptien, on ne parle jamais encore. Est-ce que le peuple n'a pas attendu Moïse dans la conversation ça? Est-ce que le peuple n'a pas trouvé l'homme à fond de vrai? Eh bien, pour ça, le peuple n'a pas le côté bon Dieu. Frère, c'est mieux. Là, il y a un problème, il y a un découragement. Pour ça, c'est le côté monde nous pour aller. Pour nous, ça ne parle pas le côté bon Dieu. Bon Dieu, il y a un plan pour résoudre le problème déjà. Ce n'est pas un monde qui va le faire pour nous. Parce que ma frère, quand on a fait une grande expérience pour nous voir que bon côté arrivé, on dit tout fini. Pourquoi j'aime bien nous dire bon Dieu, tout est fini pour et puis l'autre fini. Et puis bon Dieu dit non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Même l'autre est au point. Ce n'est pas le point final qu'il est. C'est ton point à la ligne. Pourquoi fini? Est-ce que mon Dieu j'aime finir avec vous? Bon, dis la vérité, depuis 2-3 vivres, est-ce que mon Dieu finit avant? Combien de monde là qui croit que bon Dieu finit avec vous? Bon Dieu, pourquoi même j'ai commencé avec vous? Vous avez fait que bon Dieu vous commencez parce que vous pouvez ouvrir le cœur, bon Dieu, tout le bon vrai.
Et là, bah, bon Dieu, toi, tout bon vrai, ou pas le client, bon Dieu, pour l'agir avant. Ben, ou pas le bénédiction pour le tomber. So, non, sans ça, Moïse, qui est dans le monde, pied, bon Dieu, en prenant, et puis, peuple a dit, on a prié dans le pied, donne, en disant, donne-moi de la viande à manger. Et puis, il dit, verset 14, je ne puis pas. Et Moïse dit, même pas capable, à moi seul, porter ce peuple. Je ne peux pas porter le peuple là pour contre moi. Et puis, Moïse dit, car il est trop pesant pour moi. Attendez, parole, grand serviteur Moïse, attendez, parole. Plutôt que de me traiter ici. Ça, Moïse dit, mon Dieu. L'île pour contre nous, ça, mon Dieu, ça, Moïse dit, mon Dieu. Attendez, ça le dit. Ah, ça, c'est beau français, on a parlé là. Tue-moi. Moi, je comprends ça, tue-moi, veut dire. Maman, on a parlé, tue-moi. Ah, tue-moi. Bon créole. Ça, Moïse dit, mon Dieu. Tout yem. Moïse, oui. Dit, mon Dieu, tout yem. Parce que, je ne peux pas battre tout le peuple à manger. Faut ou même, ou son papa, qui comprenne, qui a compris douleur Moïse. L'orga doit lever tout le monde. Et puis, toute porte fermée. Et pas de côté pour où je ne manger. Et puis, papa a dit comme ça, que vous n'avez pas peur, c'est pour seulement que vous mettez dans le feu. Je vais chercher du riz. Et papa a cherché du riz depuis à 7h du matin, et 7h du soir, du riz pour rentrer. Et puis, j'ai jeté tout le poids. Donnez-nous. Si vous jetez le poids, pas vrai? Oh, regardez ici avec moi. Vous jetez le poids, vrai? On a proposé que nous ne connaissons pas un gros grain de sel. Nous ne connaissons pas. Vous jetez le gros grain de sel, ça? Et vous laguez, vous n'avez pas. L'eau, wap manger poids à toute seule. Ah, c'est pour les gens qui connaissent, les gens qui font ici, vous ne pouvez pas faire ça. Ouais. Ouais. On est fou pour la bouche dedans, et puis laisse ça tout dans la bouche bien bon. On est ça, grain de salade, mais déjà. Où j'étais, là, où j'étais celle-là, oui. Faut changer, bagage ça. C'est pour vivre une vie chrétienne adéquate. Oui. Israël vient en position ça là. Israël après le mouen comme Moïse. Et puis Moïse m'a demandé tout yem parce que je n'ai pas qu'à le peuple là manger que la demande. So, conséquemment, ça me besoin d'apprendre aujourd'hui dans le passage que je prêché pour vous, frère ma soeur. Yo. Si Moïse t'a découragé, il va être d'abord l'autre monde qui t'a découragé toujours. Vous pouvez jouer Josué arrive à un côté, il prend le même coup de bâton. Vous avez besoin de décourager, mes frères et soeurs. Mais tout est-il, vous avez qui côté pour aller. Je dis, il faut qu'on ait un côté au cas là. Et mes frères et sœurs. So, dans le passage que nous étudions, attendez ça. Ce n'est pas une honte pour faire une défaite. Ce n'est pas une honte pour ma Janet au campé dehors, pour envie de tuer tout. Ce n'est pas une honte pour que notre travail, là, comme on a persécuté, chaque jour, pas envie à le travail, vous voulez quitter le travail là. Oh, mes gars, vous voyez, quittez-nous. On fait défaite totale. Pas quitter, mes frères et sœurs. Pas quitter. Attendez, il dit qu'on a que pour nous permettre de donner une psychologie de la défaite. Parce que sans besoin, parce qu'on est une défaite, il est bon pour nous, pour voir qu'on connaisse ça, les psychologies de défaite là, pour ne pas tomber dans le défaitisme, pour ne pas give up. So, on a ça lié. Qui ça a dit psychologie? C'est étude scientifique. Des faits psychologiques. C'est étude scientifique des faits psychologiques. Then, parce qu'elle vient de deux mots, il y a une qui psyché, grec, et logos. So, pas oublier ça. Psyché et logos. Psyché, esprit, nom, et puis logos, science, parole. On va dans mes yeux. So, là, l'or font des faits, ou pas si t'as analysé bagaille là, et vous cherchez à comprendre bagaille là, pour qu'on lève poil pour arriver, next time ni pour arriver encore, pour pas gagner des faits, et vous faire préparation pour pas gagner des faits. Et tout le monde dans les samedis là. Faut pas quitter, il faut faire défaitisme, mais faire étude pour qu'on connaisse que tout problème ça pourra venir. On prend non problème, penser à bouiller. On prend poser un sentiment commence à gâter parce que bah pas bon, mais l'on étudier bagarre là, on va lui comprendre que mais qui m'a contrôlé ça pour me sortir la donne. Bon, mes frères et sœurs, on espère nous comprendre tout samedi. On a un passage que nous étudions aujourd'hui à nous parle bon quelques règles. Pour le temps de découragement. Je vais vous donner quelques règles aujourd'hui, some rules for the time of discouragement. Peut-être, non, mais vous attendez ça. Peut-être, il y a des gens qui ont prié pour un bagage. Après, on a attendu un bagage longtemps, mes frères et sœurs.
Et puis, apparemment, on prend où est prière, on pas jamais exaucé. On prend, on est là, on commence à décourager, on pas prier encore. Comment on a qu'à prier pour un bagage? Et puis, ils vont côté, ils prient. Ils suspendent prier. Attendez, changez ça. Ennemi a veillé. Les besoins pas prier même. Et l'eau pas prier, c'est pour faire bagage ou à slow. Attendez, m'a dit ça. L'eau est à fort, sorti pour slow. C'est pas prier ou pas prier. Au contraire, c'est pour accélérer nos prières plus. C'est dommage. Même des fois, je ne peux pas sortir à genoux. Il y a des problèmes qu'on a, c'est sous genoux, je me sens que je suis sorti dans l'arrière pour marcher. Et puis, je vois, je me fous. Et c'est me fous, vrai. Je ne suis pas fou, non? Je vais chercher mon Dieu. Quand on a aimé jouer à mon Dieu, tout bon vrai. Quand on a aimé mon Dieu, résoudre le problème. Et puis, là, mon Dieu, après, quand on a aimé mon Dieu, là, il y a des affaires. Et puis, on décourage, je viens nous dire, oh, quand moi, je ne peux pas prendre ça, parce que je connais déjà. Et vous tombez dans la prière, puis après, le bon Dieu. Mais il faut aimer la prière et tout. Et pas comme ça, quand je parle de l'eau, il faut aimer la prière, tout. Il y a quelques bacs à camper devant. C'est pas petit prière, 3 minutes qui va jeter bac à terre. Non, c'est jeune. Vous m'avez essayé de mettre bac à terre. Et c'est pas petit jeune. On, Daniel, petit jeune, on ne peut pas prendre un bon manger, moi, ponti la bouille. Jeune veut dire, bonne fois, même l'eau, même. Jeune veut dire, pas manger. Regardez-moi, non. Mon café, jeune. Qui est là? Daniel. Yo. Ok. Ah, mais il y a quelque chose pour veiller. Oui, ce n'est pas jeune Daniel pour faire, non? C'est jeune pas manger pour faire. Ok. Sonna, prière, nous pas passer, nous fâcher, nous exaucer. Mais attendez ça, attendez ça. Il y a quelqu'un là qui a là, 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 ou que Marie m'a aimé mon corps. Bon, est-ce qu'il y a gratté, j'aime tout le pari mon. Quand je n'ai pas ça, monter dans la tête pour penser le pari mon. Et puis, on a n'importe quel bagage, on n'en fait pas, même soit fait pari, mais même on fâché. Et nous, on n'a pas même qu'on essaie pour soit fâché, même parce qu'on est le mon. Vous voyez? Oh, mais un homme trop gros. Oh, monsieur. Oh, quand j'aime l'aide dans la glace à monsieur. Monsieur, oh, oh, je finis grand monde là. Eh, madame, vous avez pari mon corps. Mais c'est malheureux à tout le pari mon. Et vous plein problème, et puis qu'on a problème, ça va quand même mener compte sur maintenant. Parce que vous nous, c'est une défaite qui fait, et vous venez prendre ça comme si c'est ça cause ça. Attendez, mes frères et sœurs, pas j'oublie ça. Bon, quelques bagailles qui prennent les dollars pour comprendre ça. C'est mes frères et sœurs, attendez ça, pas oublier. Ou bien, on fait ça fort bien. On a l'église, on observe, bon Dieu, bien. On fait tout à fort bien. Et puis on joue comme ça, on l'a qui parle contre l'église, on me sort comme nous là. Sortez comme nous y est. Ou pas ça, vous non? Parce que je regarde, moi, pas ça. Pas ça. Tout ce qu'on propose, vous y est, ou pas ça. Et si on fait cap de lui-même, il y a un bordel pour le bar. Sortez comme nous y est là. Et tout ça, moi, faire là. Je ne sais pas si on va ou même, moi, pas rien. Et puis, même côté, on vient sans ou pas rien, vrai. Découragement. Montez. On sort bien pour faire, mes frères et sœurs. Non, pas ça. Nous avons tout le monde entendu. Nous pas le bon. Vous venez décourager ou abattu. Et puis, qu'on a senti tout le bagage pour vous. Mais ça, on va le faire. Nous avons 4 règles bien vite. Et pour Edo, au cas qu'on ait le découragement, venir ça pour faire. Non. Attendez. L'homme nous fait un faux jugement sur nous. Premier bagage là, c'est n'acceptez pas le jugement de votre propre cœur sur la question. Et que là, nous avons deux bagages qui vous font décourager. Même les cœurs, tu avais d'accord avec ça, nous avons dit. Pas accepter ça que Abdoula, oh, ça intel dit, c'est vrai. Attendez, il y a des gens qui disent, quand elle dit que c'est pour rebuke in the name of Jesus. Et je dis ça. Même là, c'est un petit monde qui est. Parce que il y a des mamans qui ne parlent mal, des papas qui ne parlent mal, des belles mecs qui ne parlent mal, des beaux pères qui ne parlent mal. Ils sont capables de dire, comme ça, son young people, ils disent, ah, you'll never be somebody in life. As a young person, rebuke. That old person telling you that, then in the name of Jesus, I'm going to be somebody. I have strength to say I'm going to be somebody. Oh no, oh yeah, you're not going to, are you going to be the last student in your class? You'll never be the first one. Pas quitter ça décourageant. On va essayer de vous dire, bon, peut-être vous dites ça même. But I'm going to show you. Je vais travailler pour the first one. Et puis, dis bonjour, même qui bat intelligence. Et de me comprendre pour vous. Et de me comprendre le son. Là, regarde, on en tape classe ça. C'est mon cap number one dans classe ça. Pas quitter mon décourageant. So,
Qui sont le premier bagage à la samedi pour nous faire? N'acceptez pas le jugement de votre propre cœur sur la question. Quel que soit bagage là, pas accepter le jugement de cœur. Un découragé, c'est gars là toujours. Il y a un monde qui est découragé, comme ça. Par contre, qui est aller parce que vous découragé. Vous prenez les gens, vous ne connaissez pas les gens encore. Vous ne connaissez pas les gens qui sont là, vous ne connaissez pas les gens qui sont là. Vous ne connaissez pas les gens qui disent bonjour, vous ne connaissez pas bonjour. Découragement tellement porté dans la tête, c'est comme si vous voulez perdre la tête. Vous avez un petit découragement qui est comme ça. Moi, là, j'ai un plus gros problème même. Frère, ma soeur, vous attendez ça, dans un moment difficile ça. Mais ça nous dit, un premièrement, un cœur découragé, n'acceptez pas le jugement de votre propre cœur sur la question. Un cœur découragé, c'est gagnera toujours. On a, et puis, Proverbe 4, verset 22, pour aller dos, n'a fait cœur. Proverbe 4, verset 22. Ça le dit, mettez-le en l'air pour moi, s'il vous plaît, bien vite. Proverbe 4, verset 22. Ça le dit. Proverbe 4, verset 22. Nous voyons? Ok. Mabdou ça le dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient qui ça? From your heart come what? The source of life. C'est-à-dire que c'est dans le cœur, on prend sous la vie aïe. On a sous qui tes cœur, n'importe quoi qui entre la donne, on prend un créer problème ou une gain problème, ça fait que quand pile mon ouais à parler, ça cap tout dans bouche à sorti mal, c'est parce que j'ai Jean cœur mon ayé parce que Jésus pour faire qu'on est dans Nouveau Testament en Matthieu 12 verset 34, on c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que Jean cœur mieux, c'est qu'on s'emballe. So the way your heart is, that's the way you talk. Donc, so, on dit bon bagay, c'est parce que cœur gagne bon bagay. On dit mauvais bagay, c'est parce que cœur gagne mauvais bagay là-dedans. Conséquemment, si des fêtes entrent, on va avoir un esprit de défaite. Que, ou même qui dans l'église, veut quoi? Là, ouais, c'est un monde bon contre son défaitisme lié, veut quoi avec moun ça? Parce que moun ça va le décourager tout. On est deux sœurs. Il y a une qui va marier. Et puis l'autre là, il y a chaque monde qui vient de côté de l'encaille là. C'est à dire, oh, soit avec ça, quand tu parles avec ça. Parce que lui, il n'est pas marié, lui-même. C'est oui, il ne va pas donner n'importe qui, non? On l'a devenu encore, oh, il n'est pas là. C'est à l'alt. Et puis ça, quoi, c'est? Il détruit. Bon, c'est. Mes amis, il y a des bagages qui sont passés dans le monde, non? Là, il y a des bagages qui sont passés. Il y a des bagages qui sont passés, mon Dieu. Sisters. Bordé fait ça tout. But anyway, au lieu de décourager, qui sont pour faire qu'on y a, au lieu de décourager, allez plutôt vers Dieu. Allez plutôt vers Dieu et Christ. C'est bon Dieu à Jésus qu'on gagne. Dieu nous aime et Christ nous aime assez pour donner sa propre vie pour nous. Il mourit sur la croix. Moi, Jésus aime tellement. Il va la ville pour vous. Si je suis Jésus, je la ville pour moi. Si je suis bon Dieu, je dis c'est papa. Les bagailles sont marées. Je ne vais pas te décourager. Je ne vais pas te marrer. Je ne vais pas te comme là qui croit que bon Dieu, c'est papa. Je ne vais pas habituer les bon Dieu tout le bon vrai. On continue à relever. So, donc, on a ça qui vient dans le découragement. Découragement qu'on a là, puisque c'est comme ça qu'on a là. Christ remet nous et Christ a mouru sur la croix pour nous. Nous devons connaître que l'un besoin, c'est Christ qui nous relève. On cela dit que, bon Dieu fait nous connaître que nous vaut quelque chose pour lui. Les gens ne disent pas rien. Les gens ne disent pas jamais rien. Les gens disent qu'il n'y a pas besoin. Tenez ça. Pas jamais oublier ça. Ah, mes frères et sœurs, bon Dieu connaît qu'on vaut quelque chose. Comme là qui croit qu'on est que bon Dieu qu'on vaut quelque chose. Est-ce que nous croyons que bon Dieu qu'on vaut un bagaille? Si vous ne pas de vol, pas d'après mais on. Est-ce que bon Dieu remet? Si on a bon Dieu connaît ou vaut quelque chose. Nous avons ou lit passage ça pour moi. Esaïe 43, verset 4. Mettez-le là pour moi bien vite. Esaïe 43, verset 4. Trop de temps passé. Bon, mais ça le dit. Parce que tu as du prix à mes yeux. C'est mon Dieu qui a parlé à Israël. Et bien, qui a parlé avec moi, Il dit comme ça que, on prend un prix dans les yeux. Tu as du prix à mes yeux. On prend et puis, il dit comme ça que, et que je t'aime. C'est pas ça? Que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples là. Pour en ta vie. Et que mais ça, bon Dieu, dit, me fait pour vous. So, conséquemment, si mon Dieu a fait tout le bagage pour moi, mon bon Dieu consacré même, je ne vais pas décourager à tel point pour même lier mon Dieu.
Et qu'on y a un temps, ça a un pile monde qui est découragé, Captain Dim, là, qu'on y a. Et peut-être qu'il y a là, dans l'assemblée, Captain Dim. So, ou bien de relais sous tête. Ah oui, ça, mon Dieu dit, au moins dans Jérémie, 31, verset 3. Jérémie 33, verset 1. Mais ça, il dit, de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour qui ça? Éternel. Bon Dieu, même, d'un amour éternel. C'est mon mari qui est mon jour, dit, de monsieur, il a divorcé. Et mon femme qui est mariée avant jour, dit, de monsieur, il a divorcé. Bon Dieu dit, moi, mon tout temps. Éternel. Et puis ça, il dit, c'est pourquoi je te conseille qui ça? Il va mettre le pour nous. J'ai mis 31, verset 3. Oui, il va mettre le. Ok. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. À cause de mon Dieu, même l'autre tombé, bon Dieu, si tu conserves bonté pour nous, la fin nous lever, venir nous. Même là, on arrive en côté, on dit, bon, pas besoin de mon Dieu encore. Bon Dieu, comprenne, c'est dans la situation, découragement, bon, qu'il faut dire ça. Mais bon Dieu, style à veiller. Bon Dieu, veille sur Israël. Bon Dieu, parle avec Moïse. Moïse, découragé. Est-ce que bon Dieu l'a gagné Moïse? Non. Josué, découragé. Est-ce que bon Dieu l'a gagné Josué? Non. Et pour parler de l'autre, nous allons là, dans ce Gédéon. On voit qui bon Dieu, pour agir avec monsieur. Et puis, tenez ça. De loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Bon Dieu, quoi dans où? Bon Dieu, remet où? Pas quitter mon découragé. Les découragements arrivés, même les tout le monde pas ta remet où? Songez, bon Dieu, remet où? Et tout le monde a samedi là. Même les tout le monde pas ta remet où? And especially young people sitting here or at home, you go to school, you find a bunch of young people who do not want to see you, they don't like you. Don't worry about. Don't worry about they don't like you. When they don't like you, remember God loves you. When they talk bad about you, remember Jesus Christ is saying good thing about me. So now, when you take like that, there's no way to be discouraged. But mais soit tant de tout ça dit, wa bon découragement crap mieux ou pas même envie à l'école encore. Parce que parents doivent veiller ça. Là on ti moun vin la caillou. Et tout petit, il commence pas à vouloir l'école, il pas aimer l'école. C'est bagage seul commence à joindre et puis quand on dit pas aimer l'école. So ou même c'est pour qu'a gétan comprendre ça, au moins psychologiquement pour gétan dit ah, faut mes deux petites moi. Est-ce que nous pas pour faire ça? Si nous pas faire le tout, n'a crier. OK? Tendez-moi. Bon, changez Gédéon mes frères et sœurs. Gédéon ça le fait lui-même, là le cacher, là le cacher en côté parce que pour m'a dit Anito me montre tout à l'heure, t'a attaquer toute la journée. Gédéon a le caché, il prend la air là et puis la vanné quand vous c'est vanné la vanné en vrai et puis menti c'est caché là le caché. Si ça gagne pour l'homme, m'a dit Anito vini pour pas voler, pour pas prendre dans mes monsieur caché. Quand des frères ma sœur mieux, lors décourager va le cacher ou pas un peu. Bon Dieu cherche la voix nous. Côté monsieur caché là. C'est là, nous t'élis dans le passage là. Nous t'élis pour matin. Quand tu m'as caché dans le passage, nous t'élis pour moi, dans le verset 11, c'est caché là, le caché, la barre fourment, et puis comme si, pour m'a dit à Nito pas joindre, pour mettre là l'abri pour le veiller, pour le sauver, parce que il n'y a pas de manger, il n'y a pas de rien, parce que m'a dit à Nito a fait l'abri, et puis il a fait l'abri. Et puis, ça passe, bon Dieu, l'ange de l'éternel, dans le verset 12, là, lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. Qui est mon Dieu qui est caché? Mon Dieu est le vaillant héros. Yon héros, c'est mon qui a accompli des batailles déjà, c'est mon qui a gagné une pile victoire déjà, mais lui vont côté, découragement fait le cacher. Est-ce que découragement faut cacher là, contre lui? Monsieur caché, et puis l'Éternel parle, il est le vaillant héros, et puis, j'ai dit, on parle, même Jean-Maurice te dit, Seigneur. L'a dit en Jean, si l'Éternel est avec nous, dans verset 13 là, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? C'est le même jour qu'on a dit, si mon Dieu avait moi, pour ça mon Dieu, je ne vais pas manger pour me bâtir mon yo. Si mon Dieu avait moi, pour qui ça, je vais m'écraser, je vais acheter l'autre machine. Si mon Dieu avait moi, pour qui ça, on est là dans 3 mois, je vais mettre deux en caille là. Si mon Dieu avait moi, pour ça mon Dieu, quitte tout le bagage à arriver, je vais tout ça, pas peur, la prendre. Tout ça qui va arriver va servir. On va attendre nous. Ouais, nous va dire tout ça qui va arriver. M'accepte souffrance. Ah, c'est gars, nous bonne mode. Nous accepte souffrance comme s'il était doué. Et puis nous gain courage, nous lever maintenant. Il pas durer longtemps. Bientôt la suspendre. En Christ m'a va content. Et puis, ou même, quand il met ta bouche, pour nous, ma plus que vainqueur. Et puis après, il dit, oh bon Dieu, qui est-ce qui t'aime dans ces problèmes ça? Et vous faites dire, oh plus que vainqueur.
Devise chrétien, c'est toujours plus que vainqueur. C'est-à-dire que quelque soit la situation, on dit ma vainqueur quand même. Et même cette expérience, tout ce que je prêche là, c'est l'expérience de la vie. Mon Haïti avec nous là, mes frères et sœurs. Et puis nous gars sorti pour manger là. Quel côté là qu'on y a? Et ça a été. Qu'est-ce que tu as dit, mon Dieu? 6 ans de terrain. Et puis nous gars sorti pour manger là même. Et me dit au nom de Jésus, me dit nous gars, à souhait dans Haïti. Me dit au nom de Jésus. Je viens à petit moi en special delivery, m'a retourné avec special delivery parce que nous pas petit petit nous l'autre bagaille, venir la camp parce qu'on donné m'a parlé, par contre côté là qu'on est si ça diable m'a parlé dehors, et la camp parce qu'on dans le terrain 6 ans et puis les camp comme ça, vous lui réveiller dans dormir, et il t'en bas, moi là dormir comme ça, lever vous en dormir et puis né la prend carbone pour lui. In the name of Jesus, I'm going to walk on you. Né là pour marcher sur Dieu moi. In the name of Jesus, I'm going to walk on you. In the name of Jesus, I'm going to squash you. Et puis, guess what? Et puis, là, il y a un groupe, et puis, il dort encore. Ça, c'est la puissance de Dieu. Dans ce monde, qu'on enseigne à camper pour faire Satan qu'on ait quelqu'un pour voir. Et c'est comme ça qu'on doit enseigner ce monde. Donc, conséquemment, mes frères et sœurs, dans le passage, ça, c'est extrêmement important pour nous prendre en histoire Gédéon. L'Éternel pourrait dire, lève-toi, vaillant homme de Dieu. Et puis, il y a un choc pour Gédéon, pour que c'est bon Dieu vienne chercher le côté le caché. Pas que le côté le caché, non? Pour mon Dieu, pas ouais. Bon Dieu, besoin de délivrer, là, pour le côté le caché. On a besoin. Deuxième règle, ne faites aucun. Bon, ça, c'est très important pour nous capter. Deuxième règle, là, c'est ne faites aucune importante décision au moment du découragement. L'on a découragement, pas le coup, il fait n'importe décision. Parce que si on est découragé, quand on fait un bagage, son bagage, dès que l'on est découragé, à prendre décision, son décision qui est liée. Dès qu'on ne pas prendre décision, l'on est découragé. So, la parole de Dieu fait me connaître que, mes frères et sœurs, c'est très sérieux, frères et sœurs. Ne dites jamais ou non à n'importe qui. Ne dites jamais oui ou non à n'importe qui. Qui on a à n'importe quoi. Par le prêcher dit en oui ou non. Ok? Si on a pendant votre découragement. Tenez ça. Si vous avez l'idée pour quitter le travail, même quand vous attendez la cougne, passer 3 jours au bas où il va faire un. Parce que vous bosse qui a pris mes dos. Après, bon Dieu, vous dites pas découragé. Ne quittez pas votre travail. Pas quitter le travail où, parce qu'on est découragé. Parce qu'on co-worker, bon, hard time. Tenez. Même j'ai mon Dieu te dit Israélite ça, et ici on pas j'ai moi là, et bon Dieu a fait fort qu'on est aujourd'hui, moun qui n'a travaillé là, qu'on met d'eau là, on va chercher le travail là ou pas pour elle. Et dans la voie là, pas quitter le travail parce qu'on est découragé, attendez ça, pas vendre caillou parce qu'on est découragé, on va aller voir pour aller perdre du caillou là, ou après se courir pour aller vendre caillou là, parce que quand on a vu ça, ben problème, pas de travail, et pour aller courir vendre du caillou, ou passer une nuit sans dormir pour acheter là. Ou pressé parce qu'on découragé pour le vendre. Ce n'est pas parce qu'on découragé pour vendre Kaila. Kaila, c'est bon Dieu qui te baoule. Bon Dieu a veillé sur Kaila. Comme on a quoi ça, je dis. Et puis, l'on comprend, c'est vendre ou pour le vendre. C'est perdu ou pour le perdre. Banque pour le prendre. Et puis, bon Dieu dit bon, banque, garde au plein l'argent. Font pas quatre l'argent sur mon nom déjà. Tire ce qu'on peut être, pas rien là. Bon, non, on a vu ça. Font bon bagaille pour le monde. Faire le cadeau Kaila reste là. Et vous voyez son lettre qui vient de nous, et vous commencez à trembler parce que vous regardez, vous pouvez l'être là comme ça. Parce que vous dites, qu'est-ce, monsieur, bon, banque là, bon, moi, 3 mois, je ne pas payer, là, vous pouvez l'être là, phare. Et vous commencez à lire, vous commencez à lire, vous commencez à reprendre nous. Et vous regardez, vous dites, bon, because you've been a good client, you've been paying so well, I understand coronavirus is doing a big problem in this world, but whatever you owe, it's okay now, you don't have to pay anything. Keep your house. Bon, mais là, quand tu finis de vendre, vous ne le faites pas. Et vous avez dit que vous n'avez pas vendu encore. Et vous avez fini de signer toute baguette. Pas pressé, l'on décourager pour faire un paquet de bagailles. Parce que Marie a bon problème. Là, qu'on a vu ça, fait nègre la vie dans la cala, son tête chargée qui est liée. Nègre la, on met deux matin, on met deux à midi, on met deux à souhait. Ou bien c'est matin, on met deux la journée, on met deux à souhait. Et puis, qu'on a grand envie de divorcer. Regardez, que même la chute 2, verset 16 à notre tête, où bon Dieu dit, m'raille divorce. So, conséquemment, chaque temps, t'as voulu courir, parce que c'est pas la trop pour nous. On prend un découragement, sans que bon Dieu dit, il va aimer ça. Et restez là. Et bon Dieu a changé les bagailles. Pas découragé.
ma frère et soeur. C'est très important. On prend sans besoin de faire, ma frère et soeur. C'est pour demander bon Dieu pour rouler les nuages là pour vous. Les nuages là paraissent tout noirs. On prend, ouais, il y a du mauvais temps pour venir. On prend, c'est un mauvais temps. Nuages là paraissent tout noirs. Mandez bon Dieu pour le fort, ouais, clair, et pour le soleil paraître. Mandez bon Dieu pour retirer des fêtes ça pour vous. Des fêtes perdues, des fêtes divorcées, des fêtes qui étaient madame moins. Des fêtes petit moins qui presque perdues. On prend, maintenant, il n'est pas qu'à perdre du temps. Tout le temps, bon Dieu. Pas qu'à perdre. Pour perdre, il faut la guerre, mon Dieu. Mais pour la guerre, mon Dieu, perdre. Mais pour la guerre, mon Dieu, pas qu'à perdre. Et que moi-même, mon papa, quand même la prière. Moi-même, quand même, bon Dieu, quand j'arrive la prière. Parce que lorsque papa, lorsque maman, depuis qu'elle a penché au connaît, depuis qu'il y a un problème dans qu'elle a connaît, depuis qu'il y a un cas qu'elle a connaît, bon Dieu, faut cadeau de genoux. Bon Dieu, faut cadeau de genoux. Pas peur pour à genoux sous deux genoux, ça. Parce que lorsqu'on prend deux genoux, le ciel campé. Quand on a quoi ça, je dis, c'est la campe pour nous. Et mon Dieu a pris le problème. Bon, pas quitter des fêtes pour ça. Ben, nous mettons dans justice là, verset 10 à 13. C'est là, nous passage là, à côté que bon Dieu pral, même son stratégie. Bon Dieu pral dit, mais ça, il y a pour le faire. On a besoin. Et quand quelqu'un, on est cap quoi, qui peut, après, et puis bon Dieu pral dit, monsieur, après, dans verset 8 là, moi, fort cadeau, ma Dieu. On met marche à prendre ma Dieu. Monsieur, style peut toujours. Bon Dieu dit, dans verset 9, là, mon Dieu parle dit, monsieur, super aller, parce que m'dou aller, dit Gédéon, ou mettre l'île ou après, dans verset 9, là, super aller, bon, qu'on y a map, vous, ou mettre point pur là, aller avec vous, serviteur, aller avec vous. Et puis, mon Dieu dit, monsieur, non, demain, mon Dieu dit, monsieur, moi, ça me va le faire pour vous, descend en bas. Et puis, vous parlez, ça va passer. Et puis, monsieur descend, il y a deux nègres, dans le camadien, qui a parlé, ils font rêve. Il dit, mais ça me rêve. Un gros gâteau croulé, puis il frappe tantan. Tantan tombe, il crase. Et puis l'autre a dit, ah, oui, je ne sais pas là, il y a. Il laisse Israélite pour frapper nous, et puis il va gagner une bataille. Et puis, c'est bon Dieu qui a dit, j'ai glissé combat, à l'entente, pour attendre, l'entente ennemi, et puis le temps de monsieur, qui a discuté comme ça, et puis, mais ça peut arriver. Et puis, monsieur, Gédéon, il tendait. Il a dit, monsieur, rangez causé, là. Ah, parce que bon Dieu livre ma dianité en amion. A dit que m'a tout ça, vous le pour arriver, nous pour attendre toute consolation pour le venir, parce que pas bien coronavirus encore. Il faut aller quand même au nom de Jésus. On m'a dit, il prend le monter pendant temps ça arrive là, il prend le monter, puis il y a un dit la monter, qui dit au parler, c'est l'homme qui a parlé, bon Dieu pour qu'on parle. Et si nous ne pas aimer bon Dieu parler, mes frères et sœurs. Et bon Dieu a parlé quand même. Sona! Nous venons comprendre ça, ce pas fait, pressé, fait bagaille. J'ai dit, on demande mon Dieu pour le faire, mais fais-moi avec toi, sans ça mouillé. On prend, demande mon Dieu, ça, tu as voulu me faire. Ça, tu as voulu me faire, mon Dieu. Bon Dieu, mais ça me tente de me faire pour montrer que ou pas le bon me délivre ensemble. On prend, bon Dieu, mais ça me tente de me faire. Si, si, on prend, il va chercher un petit commet. Papa, on prend, il va le chercher un petit commet pour petit. Il dit, on prend, il est en dit, mais serviteur, mais l'on va arriver. Jeune fille qui fait 10, il fait date là. Elle dit, bon Dieu, bon Jean, pour ne pas l'avoir, pour faire connaître ça, pour arriver dans la vie. Il faut m'assurer, on nous retient dans mon Dieu tout bon. On prend mon Dieu tout bon pour mon Dieu montrer nous ça, l'a fait pour nous. Et puis conséquemment, elle est allée, la Rebecca est venue. Elle dit, est-ce qu'elle n'a pas fait ça, ça qu'elle tient pour faire tout. Est-ce que mon Dieu est mon gros, mon Dieu? Quel que soit ce que vous petit tout, pas faire mon Dieu. Pas décourager. Mais travaille pour mon Dieu, ou travaille. Ou fait le bien. Et puis l'homme fait le bien, et mon Dieu va le bénir avec le bien. Bon, où est-ce que fini? Moi, je vais garder une bonne. Troisième règle. Souvenez-vous de l'échec. Quand ne vous rend pas à moins cher à Dieu. Songez que l'échec qu'on a subi, qu'on y a, il n'y a pas fort à moins cher à mon Dieu. Ou c'est petit chéri, mon Dieu, nomade what. Que ce soit échec qui gagne, mon Dieu, style Raymond. Que ce soit échec qui gagne, mon Dieu, cœur pour vous. On a besoin. So, conséquemment, lorsqu'on échec, pas comprendre que mon Dieu l'a gueule et vous ne pouvez pas venir qu'ils sont corps, ou un découragement. Non, au contraire, lorsqu'on a problème, non, mon Dieu avait. Et si mon Dieu n'a pas avait, problème dans ta poteau, allez déjà. Et c'est 7 ans où il y a un peuple qui a un problème. So, conséquemment, si imagine tu as moins de 7 ans, si mon Dieu n'est pas là pendant 7 ans, est-ce qu'il n'y a pas de détruire déjà, oui? Pas de manger, pas de bête, pas de rien. Et puis, aussi, il a suivi. Parce que mon Dieu est toujours là. Est-ce qu'il croit que mon Dieu est toujours là, mes frères et sœurs? Ok. Sona, troisième, non? C'est souvenez-vous que l'échec ne vous rend pas moins cher à Dieu. Nous devons être heureux que Dieu ne regarde pas à notre carnet de banque. Bon Dieu, pas garder dans le carnet de banque. Moun. Quand moun là qui croit que mon Dieu est dans le carnet de banque, il garde. Bon Dieu va garder dans le carnet de banque. Si mon Dieu est dans le carnet de banque,
pas gagner une qui t'appelle la jodia. Parce que quand les banques ou pas bien comme la lune. Mais bon Dieu pas garder dans quand les banques. Qui côté bon Dieu garder? Dans le cœur. So, fait ton propre pour mon Dieu quand entrer là-dedans, mes frères et sœurs. Et dans verset chapitre 6 là, dans verset 14 là, chapitre 6 là, dans verset 14 là, qui ça nous dit, mes frères et sœurs? Non, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec ta force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. On va, on, si force qu'on gagne, on va pas être tout petit à faire décourager, on va aller avec elle, c'est qu'on sort pour aller gagner Madian. Et puis, monsieur, descend, il vient de gosser par ça qu'a fait. Et puis, bon Dieu, montrer la stratégie pour le gagner. Quatrième règle là, c'est aller à la Bible. Quatrième règle là, c'est pour aller à la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est là pour une toute promesse, bon Dieu, yo. Promesse, bon Dieu, fait avec vous, fait à génération avant vous, fait à génération kounye vous, fait à génération future, c'est dans la Bible que lié. Et puis, Israël, elle doit reconnaître que bon Dieu fait un bagage extrêmement important pour lui. Il voit Moïse venir délivrer, Moïse retirer en Égypte. Il dit, il a fait l'entrée canard. Là, il dit, il veut canard, l'a béni. Et bon Dieu mène l'entrée canard. Quand même, moi, avec vous-même tout. Pendant que nous avons passé misère, nous avons une quatrième règle là, bon, c'est pour aller à la Bible, pour nous reconnaître que nous avons une assurance. Qui plus une assurance pour rien? La vie éternelle. Et puis, on voit la vie éternelle là. Qui, ou déjà, il y a déjà pendant parler là avec moi là. Mais qu'on va quoi attendre qui est extrêmement important. Qui s'allie? Hein? Le retour de Jésus. Et puis, on va attendre qui ça? Sous ta mourir, qui s'allie pour ton? Résurrection. Ou gagner espérance si la vie a ta malmené ou mourir ou style pas seul parce que même l'homme mourir c'est pour mon Dieu qu'oyé bon jour qu'a gagner trompette absolue pour ressusciter pour dans ciel là bon quelle espérance plus qu'on te besoin gagner then c'est l'espérance de la résurrection pas oublier ça et non bon Dieu pas gagner perdu pas gagner gagnant attendez ça non bon Dieu pas gagner perdu pas gagner gagnant. Non, bon Dieu, parce qu'il me fait bien, bon Dieu, ça va le faire que bon Dieu est content, bon Dieu pour le 10, bon Dieu pour le date. Il me fait mal, bien mal, yo là, ce n'est pas ça qui intéresse bon Dieu compte tout le bagaille. Pas rien que bon Dieu ne connaît. Tout ça, bon Dieu, besoin pour nous faire, c'est obéir à la promesse. Il dit, m'a sauvé tant, année passée tant. Expérience que mon Dieu a faut faire, c'est pour l'heure où vient béni pour qu'on connaisse que, ah, si nous avons béni qu'on y a, l'un l'autre, nous pourrons passer même misère, nous pourrons aller d'elle pour comprendre, pour le temps de bon Dieu. Quand on a disposé pour aider, pour le temps de bon Dieu. Et puis nous finissons. Mes frères et sœurs, découragement toujours fini. So, changez ça. Nous, bon, quatrième, non, c'était aller à la Bible. Prends la Bible, étudie-le. Ok? Sona, c'est la parole de Dieu pour former, nous devons dans mon Dieu. Troisième, elle a été dit, pour toujours changer, que l'échec là, pas prendre moins cher à mon Dieu, ou toujours très cher à mon Dieu, style Raymond, no matter what. Troisième bagaille, nous te dit, troisième règle là, deuxième, non, elle a monté, pas faire rien, aucune décision, là, non, moment de découragement. En sous de grande décision pour le faire là, pour nous décourager, stop it right there. Stop it, don't do it. Parce que, ou pour le regret plus tard, pas faire. Et puis, premier règle de débat, c'est n'acceptez pas le jugement de votre propre cœur. Ce cœur-là, c'est le captio, parce que le cœur est tortué par des situs, qui peut le connaître. Cœur tortué qui n'a l'estomac quoi. L'Éternel dit c'est moi qui sont des cœurs, c'est moi qui sont des reins pour me rendre à chacun selon ses œuvres. Faire bonnes œuvres, et puis bon Dieu bénis nous. So, si nous avons des règles, mes frères et sœurs, nous restons comme ça et nous sommes certains, bon Dieu, grand pile bénédiction pour nous. On compte pour qui ça? Ah, parce que on ne peut pas décourager dans la vie, on peut tout un smile dans le visage. Et là, on compte avec mon frère, on compte avec mon sœur, c'est à béni, frère à béni, parce qu'on a toujours un sourire pour encourager, pour faire route vers l'éternité bienheureuse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons Dieu merci pour belle parole que vous voyez pour nous. Et par canal serviteur Pasteur France, je vous toujours prier pour lui à chaque moment qui est campé pour nous capables de bénir à salut. Et nous prenons tout ça qui dit nous voyons Gédéon, ça qui t'a passé, mais comme tu as la foi dans mon Dieu, nous voyons tout ça qui est passé. Nous disons Dieu merci pour ça. Pour te campé à la gloire de Dieu pour nous terminer, ou même qu'il a caillou. Quand même, ce message-là, qui est pratique pour apprendre, pour nous capables de changer, pour nous dans l'église, pour nous faire bon chrétien à la gloire de Dieu. Quand on est là, nous avons campé à la gloire de Dieu pour nous terminer, pour nous apprendre le numéro 125,
français à la gloire de Dieu. Est-il assez? Assez rempli de tristesse, dis-nous à Jésus, dis-nous à Jésus, sans être ouvert à ta voix sans cesse, dis-nous à Jésus. Oh,
Opportunité pour nous venir adorer dans l'esprit et à vérité. Merci Seigneur Dieu pour message, parole ou merci pour chant que nous chanter ensemble pour nous bonne gloire. Merci pour tout ce qu'on fait pour nous. Merci pour les musiciens. Merci Seigneur Dieu pour les membres d'accueil. Merci pour nous chaque bon Dieu. Et merci pour Sila qui est en ligne, qui t'a adoré ou qui t'a en esprit à vérité. Même là, nous tous pas qu'à réunir à cause de crise qui existe à travers le monde. Mais Seigneur, nous toujours gain fort, gain chance, nous toujours gain grâce pour nous adorer, nous toujours gain privilège pour nous exalter non dans chant dans tout ça que nous pouvons faire ensemble Seigneur dans l'église. Et nous prions que vous même vous continuez bénir chaque monde bon Dieu qui participe pour permettre que service ça c'était une réussite Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour continuer bénir pasteur nous bon Dieu que vous mettez là comme père nous Seigneur comme papa nous spirituellement qui toujours là pour encourager nous même les mêmes qui nous a gagné des découragements qui a venu dans la ville, il toujours bal force, il toujours bal courage, lui même pour comprendre que lui besoin toujours encourager nous et lui même lui besoin toujours encourager nous. Nous merci pour ça parce que il y a des moments dans la vie nous t'as supposé décourager, nous t'as supposé atteindre, nous t'as supposé jeune monde qui pouvait encourager nous. Mais Seigneur, ou fait de nous une source d'encouragement, là nous t'as semblé ou bien nous t'as peut-être supposons source de découragement, mais ou encourager nous de préférence ou fait de nous une source d'encouragement, Seigneur. Ça que nous ne pouvons pas suspendre bon gloire, nous ne pouvons pas suspendre adorer. Nous prions pour continuer à bénir pasteur, nous pour continuer à accompagner nous dans le message, ça et nous-mêmes qui tendons des messages, ça au Seigneur. Permettre à ce que nous ayons plus force que ça nous gagne. En pile de nous qui peut-être est découragé, peut-être nous qui là, qui t'es en pile de bagages, qui t'a tourmenté, nous qui t'a bouleversé, nous ne pouvons pas compte qui j'en peux nous t'a surmonté. Mais je dis, on t'a parlé avec nous, on t'a communiqué avec nous. Pour t'aider nous, Seigneur, ou remonter moral nous, dans le nom de Jésus, que nous prions que. Permettez-nous d'utiliser le message ça, Seigneur. Permettez-nous d'utiliser le message ça pour nous songer que ou là, même le gain bagaille qui a fait nous mal, ou là, même le nous gain joie, ou là, dans quel que soit moment. Et Seigneur, fais-nous songer ça et fais-nous vivre en fonction de grâce, ou fais-nous vivre en fonction de nous-mêmes, nous connaissons qui est présent dans la vie. Nous. Seigneur, nous comptons sur nous-mêmes, nous pouvons tendre nous et nous pouvons faire nous grâce et nous pouvons aider nous comprendre plus chaque jour pour nous servir bien. Et nous pouvons contenter des prières aujourd'hui, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais par Jésus-Christ notre Maître, lui qui vient et qui règne au siècle des siècles. Amen. À nous disposer nous pour les mots de bénédiction. Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Sur ces paroles, que la grâce, la force de Dieu soit avec chacun de nous, non seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.